Oui, salut, salut la famille. Comme vous le savez, c'est toujours le même Franck Cass, le promoteur de toutes les acteurs de la culture africaine et mondiale. Et puis c'est très important. Quand je suis là et puis vous voyez ma bouche en train de sourire comme ça, vous devrez regarder cette vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Car c'est très important. Regardez bien cet homme-là. Regardez bien. Regardez-lui très bien. Regardez-lui très bien. Non, c'est pas lui-là. Voilà, les gars-là. Avec ses barbes, voilà. Mélangé blanc-noir, là. Voilà. Regardez ce gars-là très bien. Qui le connaît? J'espère que tout le monde le connaît. Il n'y a pas quelqu'un sur cette planète Terre qui dit qu'il connaît pas ce gars. Ok, on va parler maintenant. Ce gars, c'est l'un des génies du football mondial. C'est l'ex-interplanétaire. International, quand je dis international, c'est petit. Interplanétaire du football mondial. C'est un Brésilien qui a fait jouer dans le plus grand club du monde qu'on appelle Real Madrid. Ça veut dire, c'était l'un des têtes des joueurs du Real Madrid. Il a marqué son histoire au Real Madrid que personne ne peut oublier. Que même le club Real ne peut même pas oublier jusqu'à sa fin. Donc, ce gars, c'est un Brésilien. Voilà. Qui s'appelle Roberto Carlos. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il ne connaît pas Roberto Carlos. Mais pourquoi je parle de ce gars aujourd'hui? Parce que quand je vous dis que le Burkina Faso, c'est un pays qui sera le plus développé en Afrique en 2025 et l'un des pays le plus puissant de cette planète Terre. Beaucoup de gens, voilà, pensent que voilà, il est comme ça, c'est parce qu'il est comme ça, il est comme ça. On dirait qu'il y a toujours caillou dans les oreilles. Il ne veut pas comprendre. Mais, Dieu merci, il y a certains qui sont cultivés, qui ont des mémoires en très bonne forme et qui comprennent les choses très vite. Donc, ils ont dit, ceux qui ramènent à demain trouvent malheur en semaine. Donc, Roberto Carlos, c'est quelqu'un qui a compris tellement très très vite. C'est sa première fois au Burkina Faso. Mais pourquoi, depuis jouer au Real Madrid, jouer au Brésil, il n'a pas décidé de venir au Burkina Faso un jour? C'est maintenant. Donc je vous dis, avec Ibela, il y a l'espoir toujours. Donc, regardez ce qu'il y a. Le gars a vu que maintenant, le Burkina Faso, le pays des hommes inter a vraiment sa définition maintenant avec IB. Donc, tout ce qui se passe au Burkina Faso maintenant, ce n'est pas seulement que les Africains qui voient, mais le monde entier voit et il sait ce que va devenir ce pays. Donc, ceux qui ont compris très vite sont là en train de venir pour s'investir au Burkina Faso, pour faire tout au Burkina Faso, pour que demain il ne dit pas si je savais. Est-ce que vous comprenez? Regardez, écoutez la vidéo jusqu'à fin. On va allumer. Allons seulement. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, Roberto Carlos a compris que le Burkina Faso, c'est un pays qui a tout. Et c'est un pays qu'on peut investir. Donc, il est là. Il vient d'arriver aujourd'hui, c'est le 14 février 2024. Roberto vient d'arriver. Regardez l'accueil qu'on lui a réservé à l'aéroport de Ouagadougou. Il est venu, il a fait un discours très beau. Voilà, que le Burkina Faso, c'est vraiment un pays qui mérite que tout le monde doit venir s'investir. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, il est venu pour faire quelques jours au Burkina Faso, connaître le pays très bien, voir ce qui se passe au Burkina Faso, et puis investir au Burkina Faso. Et puis, seulement dans le sport. Il veut développer le sport burkinabé. Donc, je demande, ceux qui sont là à douter là, le paradis de demain là, c'est au Burkina Faso. Ne laisse pas dire que si tu savais, c'est le moment de venir au Burkina Faso investir. Sinon, à un moment, tu vas venir au Burkina Faso, même ces jours-là, tu vas chercher à 120. Soit, moi-même là, si je travaille, si je travaille. C'est où on fait les saisons là-même? C'est commissariat ou bien c'est mairie? Je ne sais pas. Mais si je travaille là-bas, là, si tu ne viens pas vite,
À un moment donné, je vais te donner ce jour de 2 jours. Et tu vas refaire encore. Soit je te donne ce jour, si je suis très gentil, je te donne ce jour de une semaine. Tu vas refaire encore. Donc là, c'est le moment de courir venir au Burkina Faso s'investir. Parce que ne viens pas après dire si tu savais. Parce que on a vu nos parents qui avaient des parcelles au village comme ça. Ils ont ignoré, ils disent que qui va construire maison ici, qui va construire maison ici, que non, c'est un brouscope ou quoi. Et puis aujourd'hui, actuellement, aucun de leurs enfants ne peut acheter une maison là-bas, tellement c'est devenu vide. Donc, ne regrette pas. Donc, ne dis pas si je savais, c'est le moment de courir venir au Burkina Faso. Parce que si d'autres ont compris, vous aussi, vous devrez comprendre. Courir et venir investir au Burkina Faso actuellement. Parce qu'au Burkina Faso actuellement, tout se fait. Il y a déjà des usines de raffinerie d'or. C'est-à-dire qu'on enlève notre propre or maintenant, tout est fait au Burkina Faso. Il y a des usines de fabrication des remorques, camions là. On fabrique là-bas et on fait tous les montages au Burkina Faso. Et après, il y a des usines qui fabriquent des téléphones, des ordinateurs au Burkina Faso. Il y a des usines de tomates là-bas. Notre tomate, ça ne sort pas à quelque part. Tout, tomate est là-bas. Il y a le sucre. Il y a plusieurs usines aussi qui sont en construction, mais le Burkina Faso, c'est un pays, quand il finit pas ses projets, il ne sort pas pour aboyer par hasard. Et voilà, le Burkina Faso aime surprendre les gens. Donc, moi qui est gentil, je suis là pour vous dire, si vous avez un peu de sous là, et que vous pouvez faire quelque chose là, courez et venez investir au Burkina Faso. Le pays, c'est le paradis sur terre du demain. Peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais vous le comprendrez. Parce que là, je sais pourquoi je parle comme ça. Je sais pourquoi je parle comme ça. Et ceux qui voient l'eau aussi comme moi, eux-mêmes comprennent. Donc, je vous demande pardon de venir au Burkina Faso investir. Regardez ce gars, il a compris, il est très intelligent. Si lui, il est venu au Burkina Faso, un grand joueur du Real Madrid, l'international du Real Madrid, qui a beaucoup de choses, il faut attendre. C'est des amis de Lionel Messi, des amis de Cristiano, des meilleurs, des amis de Neymar, tout, tout, tout. Si lui, il est au Burkina Faso, donc tu vas me dire que Neymar, il ne va pas venir s'investir au Burkina Faso. Tu as dit que non, Messi, il ne va pas venir s'investir au Burkina Faso. Tu as dit que Cristiano Ronaldo, il ne va pas venir. Ok, il n'y a pas de problème. Tout va vous surprendre ici. Car avec Ibela, il y a l'espoir. Vous ne savez rien, vous ne savez rien. Mais vous allez comprendre. Voilà. Si lui a investi au Burkina Faso, il est venu pour travailler au Burkina Faso. C'est qui ne va pas venir? L'international du footballeur international de planétaire, le footballeur brésilien qui est au Burkina Faso. Et puis lui-même qui est en relation avec des grands babacars du monde entier, les Lionel Messi, les Cristiano, les Neymar, les Benzema, tout. Et voilà, lui là, il vient au Burkina Faso et puis il vient pas. Tout va aussi prendre, mais nous on n'aime pas dire non. On n'aime pas dire. On aime surprendre les gens. Voilà, parce que quand tu promets tes rêves à quelqu'un, à les gens, il y a d'autres qui n'arrivent plus à dormir. Qui disent que donc, lui là va faire ça, moi je ne veux pas faire ça. Il faut que je le tire. Donc, nous, on aime surprendre les gens. Et je vous demande de rester connectés. Et bosser fort. Si vous pouvez, dès le maintenant, venir investir au Burkina Faso. Le Burkina Faso actuellement, c'est le meilleur pays au monde. Tout le monde le chasse, on ne le casse pas. Sauf quelques-uns qui sont, voilà, les 4-2 personnes qui ont l'intention d'être toujours dans l'esclavage, quoi, qui vont vous dire le contraire. Sinon, ceux qui voient très bien, même si c'est un enfant, ils vont vous dire vraiment que le Burkina Faso, destination qu'il a pris là, destination qu'il a pris là, si on arrive au bout, c'est que, Abasta, non, c'est Abasta. Mais je suis Franck Kass, le promoteur de tous les acteurs de la culture africaine et mondiale. Je vous invite au concert de AMJI, Super AMJI, le 24 février 2024 au stade municipal de Ouagadougou. Donc s'il vous plaît, ne rate pas le concert de Super AMJI aussi, s'il vous plaît. Je vous aime et on est Kourougoudou pour la vie. N'oubliez pas aussi de partager ça, s'il vous plaît. Partagez partout. Voilà. Voilà. Partagez partout pour que ça arrive partout, pour qu'ils comprennent très bien que le Burkina Faso, c'est le pays qu'on doit investir maintenant. C'est le pays que tout le monde doit venir visiter maintenant. C'est le pays que tout le monde doit aimer maintenant. Car Dieu seul sait ce qui arrive. Et ça va arriver aussi. Je vous aime les gars. Bisous.